La guerre est aux portes d'Ilis. Une armada d'hommes s'est massée autour de cette paisible planète minière du système 4. Le général Keck, commandant suprême des forces Alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. Amis Iliens, le combat va être très rude, mais grâce aux sections Alpha, vous pourrez... Désactivé. Il manque 350 unités sur votre compte Optima. Votre alimentation électrique vient d'être verrouillée. C'est vrai. Merci de votre compréhension. Entrez dans la maison et... Thank you.
pouvoir payer la réparation de l'Overcraft avec ça. Hé, hey, c'est Gundo. Tu peux me faire un scan? Ok, Yann. Una perla d'Aramis. Bravo, Yad. Mais fais gaffe, il te fait un check-up après le combat. Et apparemment, un truc a pénétré ton enveloppe psy. Section Alpha, patrouille 21. Tout danger est écarté. Vous pouvez remonter sans crainte. Tiens. Merci. Ici, sur Illis, la guerre vient encore de frapper la population civile. Heureusement, nos troupes d'élite sont une nouvelle fois intervenues à temps. Je me trouve actuellement au refuge du Phare Sud. Ici, quelques enfants dont les parents ont été capturés par les Doms sont retenus par deux Iliens au courage et au dévouement exemplaire. Mademoiselle, un commentaire pour nos téléspectateurs. Ouais, ben vous êtes vraiment pas les plus rapides, messieurs les super-héros. Continuez à vous la couler douce. Et la prochaine fois, il y aura plus grand chose à sauver par ici. Coupé ! Hé, hey, t'énerve pas, Pépé. Tu vas te faire du mal. Bon, allez, les gars, on plie. Go ! Merci, Paige. Sans toi, je... Jade ! Jade ! T'as-tu envie de le sérum ? Paige, ça y est, elle se réveille. Ah, Jade, comment te sens-tu, ma petite? Ça va, Paige, ça va. Toujours pas de courant? Non. Et avec le bouclier en rade, on va pas tarder à se faire bouffer par tous les voraces du secteur. Ma écoutez-moi ce pessimiste! Votre serviteur, Segundo, a trouvé la solution pour les frics. Segundo, on est bloqué ici. Pas d'Overcraft, pas de bouclier. Optima nous a coupé le courant. Plus de fric sur le compte. Des unités, hein, des unités, les unités, je vais les faire tomber du ciel, ma poupée. Écoute un peu, la directrice du centre scientifico, elle veut recenser tous les animaux de la planète. Elle paye cash pour n'importe quel portrait de bestiole. Tiens, tu vois par exemple cette bestiole là-bas, tu la prends en photo et crac, annule le jackpot. Même ton chien l'intéresse, belle. Pas encore un de tes plans foireux, Segundo. Faudrait te faire réviser les circuits. Qui peut bien s'intéresser à ce genre de truc? On est en guerre, mec. Mais tu comprends rien à rien, hein, les porcs. Le contrôle des espèces, c'est importante. Yad récupère ton appareil back et tu vas voir si le Segundo il a les processeurs empourés. Allez, ciao, Bella. Je m'en vais. Ciao. Yad, j'ai retrouvé ton appareil. Je te l'ai mis juste là. Une attaque d'hommes a durement frappé le Phare Sud, un reportage exclusif. Ici, sur Illis, la guerre vient encore de frapper la population civile. Heureusement, nos troupes d'élite sont une nouvelle fois intervenues à temps. Je me trouve actuellement au refuge du Phare Sud. Appareil en phase. Ok, Yad, c'est à toi de jouer. Bonjour, Jade.
Nous avons besoin d'un inventaire complet des animaux encore vivants sur la planète. Bonne chance. Yad. Les sections Alpha et ensemble nous vaincrons. Rejoins les sections Alpha et tu connaîtras le goût de la victoire. Adresse-toi aux fiers soldats de l'armée ilienne. Ils te guideront jusqu'à nous. Ils te guideront vers la gloire. La chapeau, la guerre comme si vous y étiez. Les frappes d'hommes s'intensifient sur Illis. Malgré nos boucliers protecteurs, les projectiles ennemis ont encore provoqué de lourdes pertes parmi les civils. Le quartier est de la cité est gravement touché. Plus de 800 victimes ont été évacuées par les sections Alpha. Flash info, la guerre comme si vous y étiez. Encore heureux qu'on ait les sections Alpha pour nous protéger. Courage, il faut tenir bon. Le recensement avance. Merci encore. C'est bon, Yad. Je transfère les fricasses minables d'Optima Service. Électricité rétablie. Merci d'avoir choisi Optima Service. Bouclier activé. Beau travail, Jade! Je vais voir au hangar si tout fonctionne! Rejoins-moi là-bas dès que tu peux! On dirait qu'il y a une mission pour toi! Jade, reportage. M-disque de mission en attente. Superbe spécimen, je le répertorie. Des goélands. Bien joué.
Une loutre bipède? C'est incroyable! Merci encore, Jade. Tatou des champs, ils sont de plus en plus rares. Reportage, M-disque de mission en attente. C'est toi, Jade? On vient de recevoir sur M-Disc du boulot pour Jade Reportage & Co. Si tu peux le lire maintenant, ça permettra de régler ce foutu lecteur décrypteur qui refuse d'obéir à son maître. Ça y est! Ok, jette la garde. Comme si vous étiez. Les fantômes s'intensifient sur Illis. Malgré nos boucliers protecteurs, les projectiles ennemis ont encore provoqué de lourdes pertes parmi les civils. Bonjour, mademoiselle. Je suis mandaté par Monsieur de Castellac. Cette guerre est une catastrophe pour nous tous. Aussi, Monsieur de Castellac aimerait vous confier une mission particulièrement délicate. Si vous acceptez, veuillez vous rendre au plus tôt à l'ancienne mine de l'îlot noir, de l'autre côté de la ville. Compte tenu des énormes risques encourus, Monsieur de Castellac envisage une forte rétribution. À bientôt. Tu le connais, ce de Castellac? Hein? Faut pas y aller, Jeanne. Ça pue le traquenard, c'est trop dangereux. Ma tout est bloc ou quoi? On a besoin du fric pour se protéger de ces merdas de d'hommes. Tu comprends rien, le porc, hein? Te fais pas de bile, Paige. Ça va rouler. Si tu veux, j'y vais seul. Non. Ok, on y va ensemble. Mais je vais vous coller au basque. Et je vous demande pas votre avis. Segundo, check cet ordinateur et mets une version complète de ton logiciel. Jade, tu pourras y jeter un œil. Moi, je m'occupe de l'Overcraft qui est en rade. De Dieu. Heureusement que je suis là pour tenir tout en ordre dans cette baraque, parce que sinon... Ok, ça marche. On est à nouveau connecté sur le monde extérieur.
Alors, diagnostic ? J'arrive, Jade! Jade, reportage Enco a vraiment besoin de renfort. Ok, c'est parti! Analyse, ok. Si tu veux mon avis, cap sur le garage Mamago. Bon travail. Elle est pas en forme, l'Overcraft. Faut tenir jusque chez Mamago. Ils ont ce qu'il nous faut. N'insiste pas, Jade. Garde les pods pour le prochain moteur. Celui-là est même plus réparable. Eh ben ça y est, fini. En rade. Oh, maudit Rafio ! Et le garage qui est même pas à 300 mètres ! Mamago, dépannage, service. Viens te chercher, sans le vis. Mamago, dépannage, service. Salut mec ! Alors c'est quoi ton problème ? Je vais te remorquer gracieusement jusqu'au garage Mamago. Hé hey, hé, ça marche! Ouais, c'est surtout efficace pour appâter le client! Faut sortir de cette boîte de conserve, Jade! Oh, ça commence à sentir le jambon fumé! Hey Jade, tu le crois ça? Un météore d'hommes nous a bousillé la boutique! Regarde là-haut! Pose-toi une minute. Tu vas te tuer à courir comme ça.
Un moteur Speedcraft à monter. Un moteur Speedcraft. Ça roule. Parfait, il est stock. La radio annonce une nouvelle attaque. Soyez sur vos gardes. Alerte générale! Alerte générale! Déployez. Il attaque les bateaux! Il faut les défendre! Sur les pêcheurs, Zad! Méga bobine! Touché! Ne laisse pas filer! Colle-lui au train. Ok, ne lâche pas une femelle. Essaye de rester derrière lui. On va la voir, je te dis. Un peu moins. Ok, je l'ai en visuel. On l'a pulvérisé. Hey, Paige, une nouvelle perle. On embarque. Ça nous servira sûrement si on doit retourner chez ma meuf. Non, pas besoin pour l'instant. Vous approchez d'une zone dangereuse. Pour votre sécurité, veuillez faire demi-tour. Merci de votre compréhension. Mademoiselle Jade, Monsieur de Castellac souhaite vous rencontrer à l'île aux Noirs, au plus tôt. Il y a une forte somme à la clé. Hey, Jade! L'île aux Noirs, c'est par où, déjà? Porte sud, droit devant. Hé, ça crame, là-bas! Les météores d'hommes vont traverser le bouclier! Faudra qu'on soit super prudent, Jeanne. Les attaques s'intensifient. Du réseau Iris se terre quelque part sur Iris. Forte récompense pour toute information.